ma terre. Niger, mon Niger, je t'adore et je te défends partout. Le mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de à compter de ce jour sa pleine et entière souveraineté dans le respect des principes du droit international et de la morale internationale. Say you want to go to the mango, go to the mango, go to the mango.
Maraganta, where do they do? If people know how you do Latro Managana, Latro Magana, I found a Alaborado, Alabora, my choice. When the I can go to the law, you go to the law, you go to the massacre. Is the way I don't tell you. What are we the love for the year? Give a talk to you,
Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, demain jeudi 3 août 2023, par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, nous célébrerons la proclamation de l'indépendance de notre pays, intervenue le 3 août 1960, jour anniversaire qui a été d'ailleurs décrété fête nationale depuis le 25 mai 2001. 23. C'est certainement le moment alors d'avoir une pensée pieuse pour les pères fondateurs de notre jeune État et pour tous ceux qui ont œuvré à travers les générations à donner une traduction concrète et un véritable sens à la souveraineté internationale du Niger ainsi proclamée. Cela aussi bien sur le plan politique qu'économique et culturel.
Nigériens, mes chers compatriotes, la commémoration de la proclamation de l'indépendance du Niger intervient cette année dans un contexte particulier, celui de la prise de pouvoir le 26 juillet 2023 par les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mettant ainsi fin au régime de la 7e République. C'est le lieu de réitérer très clairement que la seule raison ayant motivé l'action du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est et demeure la sauvegarde de notre patrie, le Niger. En effet, c'est à notre corps défendant que nous avons dû intervenir pour mettre fin à la gestion par le régime déchu du Niger, la gestion qui, objectivement, a montré ses limites et qui ne laissait véritablement entrevoir aucune solution de sortie de crise à moyen ou long terme. C'est tout simplement de la vie des Nigériens et de l'existence même du Niger en tant qu'État dont il est ici question, au-delà des problèmes de personnes et de querelles politiciennes pour la conquête et la conservation du pouvoir. À cela, il faut ajouter les problèmes devenus désormais endémiques de corruption généralisée et d'impunité, de gabegie, de détournement de deniers publics, de clanisme partisan, de radicalisation des opinions et positions politiques, d'atteinte aux droits et libertés démocratiques, de dévouement du cadre étatique au profit des intérêts privés et étrangers, des populations laborieuses, d'une école en crise et l'effondrement de notre système de santé, toutes choses que les Nigériens vivent dans leur être et dans leur vie au quotidien. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, à ce stade de mon propos, permettez-moi de faire remarquer que les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont pris le pouvoir sans aucune effusion de sang, grâce à Allah. Aucune perte en vie humaine n'est en effet à déplorer. Ensuite, même après avoir pris le pouvoir et jusqu'à 72 heures après, nous nous sommes abstenus de toute action répressive contre les tenants du régime déchu. C'est ainsi que même à titre préventif, comme cela se faisait toujours en pareilles circonstances, nous n'avons procédé à leur interpellation. Ils ont continué à jouir de leur liberté de circulation et d'expression. Enfin, par devoir envers le peuple nigérien et conscient de la gravité du moment que vit notre pays, nous sommes toujours restés avec humilité à l'écoute de toutes les parties concernées et ouverts au dialogue pour qu'une fois l'émotion passée chez les uns et les autres, nous puissions ensemble créer les conditions d'une transition apaisée devant déboucher dans un délai relativement court et raisonnable à des élections générales, mais surtout une meilleure approche dans notre lutte contre le terrorisme et les autres maux économiques et sociaux qui minent le développement du Niger. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, ces gestes d'apaisement et ces gages de responsabilité, cette volonté de ne pas réprimer de façon arbitraire les tenants du régime déchu, car cela relève des seules prérogatives de la justice nigérienne, ce souci constant de ne pas ajouter des difficultés supplémentaires au quotidien des Nigériens ont été assurément mal interprétés et exploités par tous ceux qui, par égoïsme et par manque de patriotisme, pense pouvoir encore déstabiliser la transition en cours dans notre pays. En effet, ils ont ainsi cru voir en notre retenue des hésitations dans notre action. Ils ont cru voir une absence de cohésion
entre les forces de défense et de sécurité. Ils ont cru voir de supposées connivences avec tel ou tel acteur, voire une absence de vision globale des enjeux et des perspectives. Seulement, le temps a jusqu'ici permis d'apporter un ferme démenti à leurs allégations mensongères, mais surtout aux Nigériens de comprendre le sérieux et la sincérité de notre action salutaire pour Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. D'abord, toutes les forces de défense et de sécurité ont adhéré à notre action, cela à travers leurs commandements respectifs, comme l'atteste le communiqué de l'état-major des armées en date du 27 juillet 2023 et la présence de tous les chefs militaires nigériens à nos côtés. Non, les forces de défense du Niger ne vont jamais se diviser et s'entretuer pour de basses raisons politiciennes. Notre grande famille de forces de défense et de sécurité est le creuset de l'unité nationale du Niger. Et c'est tous ensemble que nous faisons face à l'ennemi sur le terrain et souvent au prix du sacrifice suprême. Ensuite, le fier peuple du Niger a toujours fait corps avec son armée et l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont l'émanation profonde du peuple nigérien qui sait pouvoir compter sur elles dans les moments les plus difficiles. Non, le peuple nigérien ne va jamais se soulever contre ses forces de défense et de sécurité, ses propres fils. Enfin, les populations du Niger ont une vieille tradition de vivre ensemble et de coexistence pacifique. Le brassage ethnique et social, le lien de cousinage, nos valeurs traditionnelles africaines et surtout religieuses constituent le ciment de notre unité nationale. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, aucun facteur politique interne ne s'oppose véritablement à l'action salutaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Au Niger, cette action suscite plutôt l'espoir d'un véritable changement d'approche dans notre lutte contre le terrorisme et une gestion patriotique et souveraine de notre État. Aussi, je m'engage solennellement à donner corps à cet espoir et à ne jamais trahir les aspirations du peuple nigérien, seul d'une vie meilleure, un espace nigérien et sous-régional sécurisé. S'agissant enfin de la mise en place de notre nouveau gouvernement et de la poursuite de la transition, soyez rassurés, Inch'Allah, avec votre ferme soutien, nous, le peuple souverain du Niger, rien n'ébranlera notre marche résolue au service du Niger. Je vous demande donc de faire entièrement confiance au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sur ce point. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, à la vérité, ce ne sont pas les Nigériens qui s'opposent à la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nos compatriotes, dans leur écrasante majorité, ont plutôt accordé leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, depuis le 26 juillet 2023, ils se sont souvent de façon spontanée mobilisés par milliers en faveur du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Les oppositions viennent plutôt de quelques individus qui pensent avoir un droit particulier sur l'État nigérien et qui sont en lien avec certains lobbies et des puissances étrangères. Mais elles viennent surtout de certains de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et de certains chefs d'État de notre sous-région qui sont en train d'instrumentaliser nos institutions communautaires à des fins égoïstes et lobbyistes. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes,
S'agissant de certaines puissances étrangères partenaires, comme l'écrasante majorité du peuple nigérien, nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à prononcer des sanctions contre le Niger et son peuple et à mettre fin de fait à leur coopération sécuritaire. Cette attitude hostile et radicale n'apporte aucune plus-value ni dans la résolution de la nouvelle situation née de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni dans notre lutte jusqu'ici commune contre le terrorisme. Elle crée la méfiance entre partenaires et anéantit tous les efforts jusqu'ici fournis par la communauté internationale dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Mais surtout, elle amène les Nigériens à se poser un certain nombre de questions. En effet, comment pouvez-vous comprendre, aider le Niger à lutter contre le terrorisme qui touche nos laborieuses populations et suspendre la coopération militaire à la moindre difficulté? Comment expliquer qu'un partenaire, sur des questions aussi sensibles, décide de suspendre sa coopération militaire à un moment crucial de la lutte contre le terrorisme au Niger et dans notre espace sahélien? Le souci d'un gouvernement civil élu peut-il être au-dessus de la préservation de la vie des Nigériens et de leur vivre ensemble, ou encore au-dessus du Niger, de ses intérêts vitaux et existentiels? Chacune et chacun se fera son intime conviction et s'assumera conséquemment. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, mais ce qui a surtout surpris les Nigériens, c'est le communiqué du gouvernement d'un pays partenaire qui menace le Niger de recourir à la force pour protéger ses citoyens, sa représentation diplomatique et ses intérêts au Niger, alors même qu'ils n'ont jamais été l'objet de la moindre menace. Comment une question de maintien de l'ordre suite à des manifestations pacifiques de rue peut susciter chez des autorités politiques au plus haut niveau une réaction aussi excessive? À ce niveau, l'on peut à juste titre se demander s'il est juste et humain qu'un gouvernement ordonne l'usage de la force militaire contre les populations nigériennes pour protéger ses ressortissants. Pour notre part, nous estimons que la vie humaine est sacrée. La vie des Nigériens, aussi bien que celle de tous nos frères et amis résidant au Niger, ils n'ont donc aucune raison objective de quitter le Niger. Le gouvernement et le peuple nigérien, fortement attachés à nos valeurs de justice et d'hospitalité, sont prêts à continuer à assumer leur sécurité, sauf si cela s'inscrit dans une approche politicienne inavouée qui consiste à créer la psychose sécuritaire dans les esprits. Aussi, nous appelons tous les Nigériens à manifester leur position sans violence, dans le respect de la vie humaine, cela conformément à la loi et à nos valeurs traditionnelles d'hospitalité et d'accueil. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, s'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire, sans consultation aucune et sans passer par le dialogue ou des mesures intermédiaires, les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé immédiatement de prononcer des sanctions aussi sévères contre un autre pays membre, le Niger, allant jusqu'à confisquer les avoirs du Niger ou encore menacer le pays de recourir à la force pour rétablir le régime déchu. Ces sanctions sont cyniques et
unique. Elles sont prises dans le prolongement et en coordination avec les sanctions déjà prononcées par certaines puissances étrangères qui ont fortement influencé leur survenance. Elles visent à humilier les forces de défense et de sécurité nigériennes, le Niger et son peuple. En effet, dans leur entendement, d'abord les sanctions économiques et financières devaient créer les conditions pour pauvriser davantage nos populations, révolter les travailleurs et impacter négativement la vie des Nigériens dans leur quotidien. En somme, pour rendre la situation intenable et le pays ingouvernable. Ensuite, une intervention militaire viendra dans les semaines à venir donner le coup de grâce au régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UOMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays, les souffrances des Nigériens qui ont déjà consenti d'énormes sacrifices à ces jours, les intérêts de nos populations et ceux du Niger. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Nous en appelons donc au peuple nigérien dans son ensemble et son unité pour faire échec à tous ceux qui veulent infliger d'indicibles souffrances à nos laborieuses populations et déstabiliser notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc le moment par devoir de vérité de vous dire que les semaines et les mois à venir seront certainement difficiles pour notre pays. Ceux qui s'opposent à nous sont sans limite lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts égoïstes. Ils ne s'arrêteront que face à la ferme détermination du peuple nigérien à défendre ses intérêts et sa souveraineté. Ils ne s'arrêteront que face à un peuple uni et solidaire mené par des dirigeants patriotes. Ils ne s'arrêteront que face à notre résilience et notre engagement à défendre notre dignité, notre liberté et notre pays. Alors, s'ils devraient aller jusqu'au bout de leur logique destructrice, puisse Allah veiller sur le Niger et faire en sorte que c'est le dernier grand combat que nous allons mener ensemble pour une véritable indépendance de notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour terminer mon propos, j'aimerais témoigner aux républiques sœurs du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali notre profonde gratitude pour leur solidarité fraternelle agissante. J'aimerais également remercier tous les États amis et partenaires sincères ainsi que tous les autres amis du Niger qui nous ont jusqu'ici témoigné leur solidarité agissante et leur ferme soutien en cette étape difficile de l'histoire de notre pays. Les Nigériens n'oublieront jamais leur soutien historique et ne baisseront jamais la tête face à ceux qui veulent détruire notre pays comme ils l'ont déjà fait en Libye et dans d'autres pays encore. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive les forces de défense et de sécurité, vive le peuple fier et souverain du Niger, vive le Niger. Je vous remercie.
Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien, qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Que le Niger exerce et exercera à compter de ce jour sa pleine et entière souveraineté dans le respect des principes du droit international et de la morale internationale. On parle beaucoup de l'Afrique, mais surtout des pays où se déroulent des crises politiques. On parle beaucoup moins de ceux où tout se passe normalement. Voilà pourquoi on parle si peu de la République du Niger. Ce vaste territoire s'étend du fleuve Niger, dont il a pris le nom, jusqu'au lac Tchad. Empiétant largement sur les déserts sahariens, à la limite de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire, de la vie nomade et de la vie sédentaire. Sans déboucher sur la mer, très pauvre en ressources naturelles, cette ancienne colonie française est aujourd'hui indépendante. Des populations diverses y sont réparties, dont les principales sont les Touaregs, les Peuls, les Djerma, les Haoussa. Quelques minutes, je vais atterrir au beau milieu des fêtes anniversaires de la République du Niger. À quoi dois-je m'attendre? Qu'est-ce que l'Afrique? Qu'est-ce que le Niger? Que peut-on dire d'un pays exotique où l'on débarque pour la première fois, dans l'intention d'en surprendre les secrets? Je n'ai pas le temps de me poser ces questions. La chaleur, la lumière, le mouvement, la musique, la vitalité, le L'Afrique est passée de l'enfance à l'âge adulte avec une rapidité telle que le monde en fut étonné.
Mais la France n'a pas été prise au dépourvu par cette évolution fulgurante qui vint au contraire donner raison en dernier ressort aux plus humanistes des pays colonisateurs. En quelques années, le Niger est passé sans heurts par toutes les phases de la décolonisation, tout en conservant avec l'ancienne métropole des liens étroits et amicaux sur le plan politique, culturel et économique. À la tête du gouvernement se trouve un homme dont la sagesse et la finesse d'esprit en font un des meilleurs représentants de la nouvelle élite africaine. Monsieur Amani Diori fut un des pionniers du Rassemblement démocratique africain par lequel se réalisa le grand mouvement de décolonisation de toute l'Afrique occidentale française. Mais ça n'empêche pas que dans tout le pays, on voit encore à leur poste des administrateurs français mettant à la disposition des jeunes cadres africains leur expérience de l'administration du pays. Ya zamti lasmata shi sama musa ite
haka ni na gani in ni jirgin ka baki dai kowa barka da sallah miki kowa barka da sallah miki kowa barka da sallah miki
Come,
How you made up for a Canada? Sankam, how you made up for a Canada? Any Sankam, how you made up for a Canada? Country de la place, on sent que c'est la grande classe. Tu le dépasses, on voit que ta place. Mondo, mondo, est-ce que t'as sa mikio? Riga, riga, est-ce que t'as sa mikio? Haba, j'appuie le gouverneur, pour qu'elle n'y ait pas de swaga. Pour qu'on ferme Yagi, pour qu'elle n'y ait pas de swaga. Nadej Tumbiana, est-ce que t'as sa mikio? Est-ce que t'as sa mikio? Haba, il n'y a de swaga. Legend mix. And if I'm comes, I come. Thank you.
parents, enfants de la patrie. Vie pour le pays, vie pour la devise, vie pour la couleur. Enfants de la patrie, enfants de la patrie. Shop. Oh. Isso, cara. Cara.
kwe ke ne mandala e ke don shi shama daran lero musha zuba e ke ne magudi e ke shima e shama daran lero waya ga ya maka borno da basta ke krema ke shama daran lero in ka ga ni ta maka jata ka kai da ka bata ta shama daran lero ke yaro shama daran lero Il faut couper des calés, on fait assez mal. Il faut même pas tamiser ton œil, que te fêler. Je fais plus la guerre, je fais que des bébés. Ils sont plus à terre, ils sont tous enterrés. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu galères, ça se sent. J'suis bon qualité de mer, y'a ceux qui trouvent ça menaçant. Hey, j'suis menaçant, pourtant j'suis qu'à 10%. Baba Katou, Tchemou, Kaidek, Kaimou, Kontagora. Kontagora, Garine, Amma, Bagarun, Zouaba. Bega méchant, Tabasé, méchant, Guia, Akonche. Ouata et Ouata, Tché, Intam, Tuzata, Menchi, Obak, Ombo. Il faut danser, il faut danser, il faut danser, il faut danser. Il faut danser, il faut bouger, il faut danser, il faut aller au bout de l'eau. Il faut chambre dans la ville. Why they am a cover Nagabastake? Shai Kokamaru Waike, Hidahaya for the Wiake, Motahaya, Etoko Hatari Take, Amazon and Kana Mikilate, Santa Kawaka Kamoga Sota, Ataka Rawaka, Abraka, Ake, Abjan, Sama, Kaki Burne, and Lake, House Muke, Wakamuke, Magana Chemuke, Sauri Muke, Bamuzuma, Barnama, and Zaki, Barnama, and Zaki. Barne muje kasa in dora miki in batake miki in kara miki lai sike pei lodi muke musu rawa sike pei sauti ya ke musu dana bada goda tache mambata so sena bada biyar sena bada biyar anana anana seta ke moga gop haba delu abar haka kun sambana sa haka ho mi zai faru mi zai karo abarne in te haka haba delu abar haka kun sambana sa haka yo mi zai faru mi zai karo abarne dan baba da kwe ke ne manda lai ke don shi shama dara lero musha zuba yake ne mu kudi yake shi ma shama dara lero waya ga ya maka barna da basta ke ma ka shama dara lero in ka gani ta maka jata ka kai da ka barna ka shama dara lero kai ya shama dara lero mon bebe le bonbon me di ka mon deja lu shama dara lero ba ko escoba de le papa de la chi shama dara lero allo kala la sele ko shama dara lero ay nyara kusha samare kusha ay mata shama dara lero in ka gani ta maka jata ka kai da ka barna ka shama dara lero ay nyara kusha samare kusha ay mata shama dara lero in ka gani ta maka jata ka kai da ka barna ka shama dara lero ay for ya ze ni ba de lo ay ze ga ze mo ku de lo ni for ya ze ni ba bu ye ni for ya ze ni ba de lo mo ku de lo ni for bu ye ni for ya ze ni ba de lo ay ze ga ze mo ku de lo ni for ya ze ni ba bu ye ni for ya ze ni ba de lo Bonda ba you said Bonda Bonda la Marcelo No miss G ta 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 La population de Bini est composée principalement de deux groupes ethniques, les Jarma et les Peuls, qui cohabitent en parfaite harmonie avec des Haoussa, des Yoruba et des Touareg. C'est ici à Bini que le Seigneur du ciel, de la terre, de la lune
du soleil, des étoiles, bref, des vivants et des mortels a généré, fait pousser et proliférer un arbre, le Nocaria macrophylla, communément appelé Gamsa en langue charme. Ici, nous sommes en plein dans le Dalol Bosso, au niveau du département de Binangaware. Et vous voyez, cette zone, la végétation qui domine, c'est surtout le Nocaria macrophylla, qui est autrefois appelé Parinari macrophylla. C'est une espèce qui se plaît beaucoup dans le Dalol. C'est une espèce à phénologie continue, qu'elle produit trois fois dans l'année. Très importante sur le plan social et économique pour la population du département, particulièrement les jeunes et les femmes. Vous avez constaté que depuis ce matin, il y a un groupe de femmes et de jeunes enfants qui se livrent à la cueillette des fruits. Ces fruits qui seront vendus par ces jeunes-là au bord de la route pour les voyageurs, 300 à 400 francs le kilo, ce qui leur permettra de se procurer un peu de sous. Et en plus de ça, les fruits de cette espèce, la poupe sert à faire de la confiture et l'amande sert à faire de l'huile, du tourteau. Les fruits du Nocaria macrophylla sont beaucoup prisés ici. Et c'est pourquoi les enfants devancent toujours les pâtres et les animaux sur les lieux. Pendant que les enfants peureux et fainéants se contentent de fruits arrachés par le vent, Hadi, Alpha et Suleiman, quant à eux, n'hésitent pas à grimper sur des arbres. Perchés sur des branches comme des petits babouins, ils font montre d'une souplesse et d'une agilité qui traduisent leur virilité d'homme. Les enfants doivent user de prudence. En tout cas, les risques sont énormes, car l'enfant peut être victime de morsures de serpents, de scorpions et que sais-je encore. Sans oublier les chutes dangereuses à se casser le bras, le pied ou même les deux. Les parents en sont conscients, mais ils y laissent faire car c'est leur gagne-pain. Pour les enfants, la cueillette de fruits n'est pas un simple jeu, mais plutôt un cadre dans lequel ils rivalisent de bravoure. À en croire les dits des villageois, tout se raconte au village le soir sur la place publique ou à côté des petites copines. Animés par cet état d'esprit, les enfants remuent les branches de toutes leurs forces pour faire tomber les fruits qu'ils finiront par ramasser pour mettre dans des sacs. Ils s'épuisent toute la matinée dans cette besogne et ne rentrent au village qu'à la mi-journée. La cueillette de fruits qui n'ont pas atteint la maturité ne favorise pas la régénération de cette espèce qui est en train de disparaître. La commercialisation à grande échelle voudrait qu'on pense à des grandes plantations à régie de cette espèce. Il faut donner un coup de pouce à la nature. Le travail exercé par ces enfants peut être vu par certains comme une exploitation ou violation des droits de l'enfant. Mais dans un contexte africain, il est considéré comme une initiation de l'enfant qui fera de lui l'adulte digne et responsable de demain.
devancer les animaux du berger Paul sur les lieux, les enfants se pressent de remplir leurs sacs, car les animaux affamés pourraient envahir les lieux. Ces animaux qui ont passé toute la nuit à ruminer l'herbe ne songent en rien qu'à remplir leurs panses. Ils sont prêts à ravager tout sur leur passage. Le berger Paul doit être prudent pour que ces animaux, au lieu de fruits du néocaria, ne dévastent les plantations des paysans. Car si cela arrive, on peut assister à un conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le berger en sait quelque chose et c'est pourquoi il ne s'éloigne jamais de ses animaux. Il contrôle leurs déplacements et n'hésite pas à les orienter. Arbre fruitier à phénologie continue, le Neocaria macrophylla offre de multiples opportunités aux animaux et aux hommes. Chaque jour est l'occasion pour les animaux du berger Paul de brouter de l'herbe ou de déguster des fruits du Neocaria macrophylla. Sous les ombrages de ces arbres, ils profitent aussi pour se reposer ou ruminer tranquillement. Certains profitent pour se gratter la peau afin de chasser les parasites qui les agacent et les empêchent de somnoler. Affamés et assoiffés, Hadi, Alpha, Suleiman et leurs acolytes qui ont passé toute la matinée à ramasser des fruits regagnent le village. Au retour, le chemin paraît plus long pour ces enfants qui, pieds nus, dans la poussière du chemin, sous les rayons ardents, transpirent et succombent sous le poids de leurs sacs. Mais leur courage et leur détermination les conduisent sans nul doute au village. Les laborieux enfants ont accompli leur mission. Le Neocaria est arrivé au village. Et c'est là que commence le travail des animaux et des femmes. Bien que difficile et fatigant, le travail du Neocaria macrophylla est une source de revenus considérable pour les femmes de Dibdana. Le Neocaria nous rapporte beaucoup. La vente de ce produit nous permet de subvenir à nos besoins quotidiens. En cas de déficit alimentaire, nous épaulons nos maris. Aussi, pendant les fêtes, nous payons les habits, des chaussures pour nos enfants et nous-mêmes. Quand nos fils se marient, on peut contribuer de 5 000 à 10 000 francs. Sans la vente de ce produit, je ne pense pas que cela soit possible. Ici, les animaux jouent un rôle prépondérant dans le traitement des fruits, car ce sont eux qui consomment la partie mangeable des fruits afin de faciliter le concassage aux femmes. Ayant pris goût à leur nouvelle nourriture, certains animaux ont perdu l'habitude de se rendre au pâturage. C'est le cas de ce mouton et de ce taureau qui, les yeux presque fermés, la gueule ouverte, broie avec passion le fruit du Neocaria macrophylla. Rassasiés, les animaux abandonnent le reste du repas qu'ils élimineront sans nul doute les heures prochaines. De la cueillette au triage, le travail ne vient que de commencer, car il faut concasser les noix afin d'extraire la menthe. Le
Le concassage est la phase la plus difficile, la plus fatigante, mais surtout celle qui présente le plus de risques. Pour casser les noix de nos Caria macrophylla, Hanatu, Kadija et Sadi s'appuient sur des fers de hache tranchants qui leur servent d'enclumes. Sur ces enclumes, elles déposent minutieusement les noix et avec des petits bouts de bois, elles cognent pour casser la noix. Ce travail demande de ténacité, de force physique, mais aussi et surtout de l'adresse de la part des laborieuses et infatigables femmes. En tout cas, le risque est grand, car entre le bout de bois et l'enclume, le doigt pourrait être lardé, fendillé, voire même complètement amputé. Les travailleuses en sont conscientes, et c'est pourquoi elles agissent avec prudence. En somme, le concassage est un véritable calvaire pour les femmes de Dibdana. Mais en attendant les lendemains meilleurs, elles continuent de lutter contre les adversités. Le but de cette opération pleine de risques est de récupérer les amandes contenues dans les noix. Le nombre d'amandes contenues dans une noix varie de 2 à 3. Et je ne sais combien de grains il faut pour avoir un kilogramme. Les amandes ressemblent à des grains d'arachide. Souvent, on les consomme crus pour des vertus multiples. Certaines femmes, par contre, les transforment pour extraire de l'huile qu'elles vendent au marché. Au-delà de ces vertus alimentaires, le nom Caria macrophylla a certainement des vertus médicinales. Nous vendons le néocaria juste pour subvenir à nos petits besoins, achat de chaussures et autres. On ne paye ni sorgho ni maïs de cette vente. J'ai abandonné les études pour m'adonner à la vente du néocaria macrophylla. Le seul conseil que je prodigue à mes sœurs, c'est de continuer leurs études. Elles pourront réussir et aider leurs parents. En tout cas, aujourd'hui, je regrette fort de quitter les bancs de l'école. Jeudi, jour où se tient le marché hebdomadaire de Birma. Femmes et hommes, jeunes filles et garçons vêtus de leurs plus beaux habits arrivent sur le marché. Les uns pour vendre, les autres pour acheter. D'autres encore juste pour contempler les objets étalés à même le sol. Les charrettes chargées de diverses marchandises quittent les villages environnants pour Binin Gaoué qui retrouve son ambiance habituelle, celle de fêtes et de liesses populaires. Les personnes venues pour la circonstance ont déjà commencé à étaler leurs marchandises.
L'ambiance est telle que le tintamarre infernal broie le silence. Dans ce mili-molo incontournable, chacun vague à ses occupations. C'est le moment des retrouvailles. Et c'est l'opportunité à saisir pour traiter de grosses affaires. C'est aussi une belle occasion de découvrir les cousins à plaisanter. On se taquine, on se raille de tous les qualificatifs. Dans ce marché où tout est ordonné, chacun connaît sa place et personne n'occupe la place de l'autre. Ici, on pose des questions, on se taquine, on négocie et on achète. Au milieu d'une foule bigarrée, l'on constate la présence de Hawa et de sa sœur Maimouna, deux commerçantes de Birnin Gaouri. Elles sont venues au marché pour des graines de Neocaria macrophylla. Dans la cour de leur concession, Hawa et Maimouna, assistés des autres membres de la famille, procèdent à l'extraction de l'huile à partir des grains du Neocaria microphylla. Elles apprêtent le foyer et allument le feu. Puis elles déposent sur le foyer la grande casserole dans laquelle elles déversent les grains. Pour que les grains ne soient calcinés par le feu, Hawa les remue de temps en temps à l'aide d'un morceau de calebasse. Pendant ce temps, Maimouna, la sœur de Hawa, tamise les grains pour enlever les déchets. Les grains ainsi cuits et tamisés sont étalés sur une natte. Le temps qu'ils se refroidissent, ainsi les exploitantes pourront les dégager de leur enveloppe afin d'amener le produit au moulin. C'est de cette pâte molle que Hawa et Maimouna extraient l'huile qu'elles vendent au marché à 5000 francs le litre. Le Neocaria macrophylla a plusieurs vertus. Son huile est souvent utilisée pour arrêter les cas d'hémorragie comme le saignement du nez. Comme ça, moto kan kini mene gomnati kan dirse machine kan ganan gura zina da machine ora aga bugu aga izoka tare. Si l'État arrive à mettre des machines à notre disposition pour le concassage des noix, nous n'aurons plus besoin d'importer de l'huile. Les avantages tirés de l'exploitation du Neocaria sont multiples. Avec cette vente, nous arrivons à acheter des petits ruminants.
Depuis que nous avons commencé à extraire et à vendre cette huile, nous arrivons à subvenir à nos besoins et nous ne dérangeons plus nos maris. Je conseille les autres femmes d'en faire autant, car seul le travail paie. Avant, les gens ignoraient l'importance du Neocaria macrophylla, ce qui fait qu'après avoir mangé la pulpe, ils jettent les noix. En tout cas, moi, j'utilise toujours cette huile pour mes cuisines. Avec cette huile, même sans viande, ma sauce est savoureuse et appétissante. Le reste de la pâte est enfin modelé, trempé dans l'huile afin d'obtenir des troutous. Cet arbre, comme tout autre, mérite d'être protégé. Il ne reste plus qu'à analyser au laboratoire spécialisé cette huile extraite des graines du Neocaria macrophylla afin d'utiliser au profit des hommes et des femmes les vertus bienfaisantes qu'elle couvre. Cette huile pourrait être d'une valeur nutritive méconnue et une source de revenus inestimable pour les habitants de Birni, pourquoi pas de l'humanité tout entière. Mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien, qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Que le Niger exerce et exercera à compter de ce jour sa pleine et entière souveraineté dans le respect des principes du droit international et de la morale international. Voyons, allons-nous. Bonne soirée, chef.